Johan Morand, victoire ici à Berne, en plus blanchissage pour votre défense et votre gardien. Plutôt une bonne soirée. Hein. On joue très solide en ce moment, on continue sur notre lancée là. On a un grand Tobias Stéphane aussi, on va dire que ça fait pas de mal. Et après, le power play a fait son travail et l'équipe est restée solide jusqu'à la fin. Donc on reprend la première place, une belle victoire ce soir. Vous vous êtes fait l'auteur d'une charge dans le dos de Ruffenhart. On voit de plus en plus de ce genre de charge. Expliquez-nous, est-ce qu'on ne se retient pas? Est-ce que c'est un peu de malchance quand on joue ce genre de jeu? Après, il y a plusieurs types, je pense, de ces charges-là. Il y a les charges où vraiment le joueur est de dos depuis un moment et où l'autre arrive avec de la vitesse. Et là, c'est inexcusable. Et après, il y a des charges où on n'est pas vraiment... On est dans le gris, on n'est pas dans le tout noir ou tout blanc. Le jeu va très vite et c'est difficile des fois quand le joueur se tourne au dernier moment d'arrêter la charge ou d'éviter de mettre le check. Donc là, dans ces moments-là, on essaye de limiter l'impact. C'est un peu ce que j'ai fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop de dégâts. Mais c'est difficile de ne pas mettre le check quand le joueur se tourne au dernier moment. Merci beaucoup.